La nouvelle saison 2 de Fortnite vient tout juste de sortir et aujourd'hui on va acheter le pass de combat en entier. Et pour ce faire les gars, il va falloir que je recharge mon compte avec des V-Bucks. Mais si vous me connaissez, j'aime pas trop utiliser ma carte bancaire pour faire ce genre de choses. J'ai établi un plan très stratégique histoire d'avoir le pass de combat en entier totalement gratuitement. Je suis donc ici dans mon setup et la stratégie que j'ai appliquée les amis, regardez ça. Ici on a un immense carton que je vais déployer. Voilà, comme ceci. L'idée que j'ai eue les amis elle est juste incroyable. Je vais me cacher à l'intérieur de ce carton. Ok nice les gars, maintenant je suis caché dans le carton. L'idée que j'avais les gars c'est tout simplement Blandine, je sais qu'elle doit faire une vidéo pour présenter la nouvelle saison 2 sur sa chaîne YouTube et elle va utiliser mon setup pour faire cette vidéo. Et elle aussi je pense qu'elle doit acheter le pass de combat en entier. Moi je vais en profiter d'être caché dans ce carton qui est juste à côté de mon setup pour voler sa carte bleue les gars. Je pense qu'elle va péter un câble quand elle va voir cette vidéo les gars, je suis mort. En vrai je suis bien à l'intérieur de ce carton, regardez il y a le setup qui est juste là les amis. C'est là que Blandine va arriver dans quelques instants. Je vais attendre ici quelques minutes en attendant que j'entende du bruit parce que je sais que Blandine actuellement parlant, elle est partie sortir les chiens. Je croise les doigts pour que le plan fonctionne à merveille. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné les gars. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai bientôt 19 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Les gars, je pense que j'ai entendu du bruit. Je pense que Blandine est rentrée. Elle est là ou pas? Acheter le pass de combat en entier, c'est-à-dire qu'on va acheter les 100 paliers furieux. Genre vraiment les gars, je sais pas si vous avez pu voir genre les... Franchement le pass de combat il a l'air dingue. Genre juste de dingue. Ça a l'air trop foufou folichon, comme dirait les nous. Bon du coup là les amis, on va aller dans la boutique et on va acheter les 100 paliers. Donc c'est parti, j'y vais. Par contre du coup j'aurai besoin de mon... Il est où mon portefeuille? Les gars, j'avais posé mon portefeuille juste là. C'est pas possible, il est où mon portefeuille? J'ai réussi à choper le portefeuille de ma petite copine Blandine. Elle voulait acheter le pass de combat, mais elle va pas pouvoir. C'est moi qui ai volé son portefeuille. Je vais ouvrir son portefeuille, voir si on peut y trouver sa carte bleue, les gars. Oh là 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 là, let's go, les gars. Let's go, il y a sa carte bleue juste ici. Bon Blandine, j'espère que tu m'en voudras pas, mais je suis obligé d'acheter le pass de combat avec ta carte. Par contre les gars, je vais faire ça vite parce qu'elle risque fortement de revenir les gars. Du coup c'est parti, je lance le jeu les gars et on va acheter le pass de combat. Let's go les gars, c'est parti, on va se procurer 13 500 V-Bucks, ça coûte 80 euros acheté. Merci à l'accusé de réception, vous arrêtez, envoyez. Regardez les gars, le compteur de V-Bucks qui monte. J'ai actuellement 30 000 V-Bucks. C'est parti, on va acheter tous les paliers du pass de combat, c'est juste ici. Acheter des niveaux. Let's go les gars, je veux un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. Blandine, je suis désolé si tu vois cette vidéo, mais j'étais obligé. Et nous voici donc avec 500 étoiles. Et avec ces 500 étoiles, on va acheter toute la page juste ici pour avoir toutes les récompenses de la saison 2 de Fortnite. Regardez mon casier, il est tout rempli de nouveaux skins. Voyons voir quel skin nous allons mettre. Oh, il est trop stylé, frérot. Oh, je veux trop jouer avec ce skin pour ma première partie. C'est parti du coup dans le bus de combat de Fortnite Battle Royale. On va sauter pour notre premier atterrissage de la saison 2 de Fortnite. On est parti à Daily Bugle, l'une de mes villes préférées. Let's go les amis, j'ai l'impression d'apercevoir juste ici une petite arme. On va directement la récupérer. Voyons voir. Let's go les amis. En tout cas, j'espère bien sûr que vous allez passer un très bon moment en visionnant cette vidéo en ma compagnie. Vous savez bien que c'est tout le but. Frère, lui, je l'ai mis mal. Oh là, les gars, regardez le retour du C4. Oh, j'adore vraiment le C4. C'est l'un de mes explosifs préférés. Je pense clairement que la saison 2, ça va être l'une de mes saisons préférées de tout Fortnite chapitre 3. Parce que ma saison préférée du chapitre 2, c'était la saison 2. Bonjour, monsieur Banane, ça va ou quoi? Par contre, les gars, un truc bizarre, c'est qu'on ne peut absolument plus construire, les gars. Ils ont annulé les constructions sur Fortnite. C'est clairement perturbant. Oh, il y a un mec au loin qui me tire dessus, frérot. Ne fais pas le malin avec moi, mon gars. Parce que moi aussi, je t'ai touché, mec. Wesh, les gars, regardez, il y a un tank juste là. Mais what? Attends, c'est dit n'importe quoi ce qui est en train de se passer dans l'état actuel des choses, les gars. Oh non, non, il va me tirer dessus, frérot. J'ai pas envie que le tank me tire dessus. Oh, il y a un mec juste là. Attention, pourquoi pas, peut-être. Notre premier kill juste ici. Let's go, le premier kill qui passe crème. Oh non, 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 j'essaie de construire, mais ça ne fonctionne pas. Ouais, il y a un mec qui me tire dessus, frérot. Ouais, je joue pas à ce genre de choses avec moi, mon frérot. Parce que moi, grâce à mes grenades, je vais te
frérot. Non, non, il me lance du C4 maintenant. C'est pas possible, ça. Attends, attends, tu vas pas m'exploser. Je te le dis clairement, en fait, mon frérot. Ah, il est juste là, les amis, vous avez vu. Ouais. Oh, les gars, j'ai un HP, frérot. Oh, j'ai failli décéder juste ici. Heureusement que j'ai des potions. Mais attends, mais c'est vraiment galère de ne pas savoir construire sur Fortnite. Il y a un coffre juste en haut, s'il te plaît, donne-moi une bonne arme, mon ami. Oh, let's go. Il m'a donné quand même des splashs. Ça, ça fait plaisir. Merci pour les splashs. Oh, les amis, regardez le sprint tactique. Oh, mais c'est vraiment génial. Ça permet de sprinter et d'aller beaucoup plus vite, se déplacer d'une rapidité énorme. Oh, coucou, toi. Yes, le deuxième kill qui passe crème. Oh, j'ai eu peur, la vérité. Donne-moi tes splashs, s'il te plaît. Comme ça, je me remets bien à 200 HP, les amis. Ça, si c'est pas incroyable. Oh, je kiffe le sprint tactique. C'est vraiment génial. Regardez, j'entends qu'il y a des ennemis juste là-bas. Je les rush directement. Comme ça, on a un maximum de kills. On va essayer, pourquoi pas, de faire le top 1 dès cette première game. Les gars, j'espère que Blondine, elle va pas se rendre compte que je lui ai volé sa carte bleue, les gars. J'ai pas envie qu'elle arrive en pleine vidéo et que je me fasse suicider, là, honnêtement parlant. Ok, lui, il à quoi tu joues, frérot? Ok, nice, c'est un bot. Hop là, let's go. Le troisième kill qui passe crème. Ça, ça fait plaisir. Attends, il avait une arme légendaire. Oh, let's go, il avait une arme légendaire. Ça, je récupère directement, j'hésite même pas. Wow, frérot, ne joue pas ce genre de choses avec moi. Ok, nice. Attention, attends, il a une arme bizarre là. Il a une arme chelou, attention, on sprint. Yes, let's go, ça, ça fait plaisir. Ah, il avait l'arme avec un viseur thermique. Oh, génial, ça, je pense, c'est une arme ultra cheatée. Ah, j'ai l'habitude de casser des armes, mais ça sert plus à rien, les gars, parce que maintenant, on ne sait plus construire, on n'a pas la possibilité de construire, donc essayer de récupérer des matériaux, ça ne sert absolument à rien du tout, les amis. Par contre, j'entends non loin d'ici des gens qui sont en train de se fight, voyons voir. Ah, oui, là, effectivement. Effectivement, parlant... Yes, aïe, le kill qui passe. Mais cette arme est vraiment trop cheatée, les amis. Attends, c'est quoi, ça? C'est un boss? C'est un boss? Oh, les gars, il y a un boss juste là. Je devrais m'en méfier, la vérité. J'ai pas envie de décéder. Là, pour le moment, on fait une plutôt bonne game. On est parti pour rentrer dans la zone. En tout cas, les gars, j'espère bien sûr que vous passez un très bon moment en visionnant cette vidéo. En ma compagnie, les gars, vous savez bien que c'est tout le but. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Est-ce que c'est possible d'atteindre des 4 millions de pouces bleus en dessous de cette vidéo? Je sais que vous en êtes capable. Oh, les gars, j'entends quelqu'un. Y'a un mec juste là, frérot. Ouh là là, tu joues pas avec ce genre de choses avec moi, mec. Parce que moi, j'ai du C4. N'oublie pas ce genre de choses. Oh, il est au-dessus. Yes. Ouh, c'était chaud. Le mec a failli me tuer, mais il n'est pas plus fort que moi, les gars. Le fait qu'on ne puisse pas construire, c'est horriblement galère, les gars. Je vous mens pas. Ok, on va se cacher dans un buisson. C'est la meilleure des techniques que je peux faire dans l'état actuel des choses. Il faut absolument que je trouve un kit de soins. Oh, juste ici, let's go. Un Medibrume. Le Medibrume qui va peut-être me sauver la vie et qui va peut-être m'aider à remporter la victoire dès cette première partie. Ça serait vraiment génial si j'arrivais à faire le top 1 dès cette première game. Oh, les gars, regardez au loin. Frère, il est one shot. Let's go. Mais cette arme est trop cheatée, la vérité. C'est plus cheaté qu'un sniper. Oh, vous avez vu ça, comment je l'ai éliminé, les gars? Allez, on est parti direction la zone, les gars. On a déjà 7 kills à notre compteur. On rentre bientôt dans le top 10 de cette partie. Oh, il y a un joueur juste là, les gars. Oh là 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 là. Attends, je recharge tranquillement, mec. Attends, tu sais quoi? On va sauter juste ici, mon frérot. Et... let's go! Tu décèdes, mon gars! Eh, c'est génial, en fait. Il y a une fonctionnalité, on peut grimper sur les toits et tout. C'est vraiment génialissime. Ah ouais, l'écran devient violet lorsqu'on se rapproche de la tempête, frérot. Oh, c'est nouveau, ça, comme ajout sur cette saison 2 de Fortnite, en tout cas. N'oubliez pas aussi, les amis, de mettre le code créateur Jean-Fils dans la boutique Fortnite lorsque vous vous procurez le pass de combat. Ça m'aiderait, ça me soutiendrait énormément. Gros big up aux vrais, et aux vrais qui me soutiennent et qui mettent le code créateur Jean-Fils. C'est vrai, vous êtes vraiment les boss, hein, tout simplement. Alors, la prochaine zone, ok, la prochaine zone est quand même assez loin, les gars. On va essayer de faire attention un maximum. Oh, attends, la question importante, est-ce qu'ils ont... oh, let's go! Heureusement, ils n'ont pas supprimé le fait qu'on puisse faire des contrats. Parce que moi, je suis le pro du contrat challenge, vous le savez. Du coup, on est parti pour activer un contrat pour savoir la position de l'ennemi le plus proche, les amis. Juste ici, voilà, c'est pas incroyable. On va se servir des slurp juice juste ici, peut-être manger des champignons. Oh, nice, des noix de coco. C'est pareil, let's go. On va se remettre bien comme ça à 200 HP. Vous savez quoi, mettez
mettez-moi une note sur 10 dans l'espace commentaire, les gars, pour tous ceux qui ont déjà testé la nouvelle saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. Une note sur 10, moi, personnellement parlant, là, je kiffe, hein. Bah, je dis ça parce que je suis pas encore mort. Moi, personnellement parlant, les gars, je donnerais une note de 7,5 sur 10. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le mettre et à me l'écrire dans l'espace commentaire. Ça, je vais récupérer. Ça pourrait peut-être bien nous aider fortement. Il y a l'étoile de Spider-Man qui sont toujours présentes. Est-ce que les gants de Spider-Man sont toujours présents ou pas? C'est la question que je me pose parce que les gants de Spider-Man, c'était vraiment trop utile dans la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite, on va pas se mentir. Je suis sûr, les gars, à force, on va plus avoir l'habitude de construire. Et quand ils vont mettre les constructions... Oh toi, mon gars, tu vas pas t'enfuir, moi je te le dis clairement. Oh, il est en train de s'enfuir, il est sérieux là? Frérot, attendez, j'ai bégayé pendant un moment, mais c'est juste qu'il faut absolument que j'arrive à éliminer cette personne. Let's go! Il avait la SMG mythique. Attends, ça je récupère. Merci. Oh non, oh là là. Ouh, c'était moins une, les gars. C'était moins une. Et par contre, il reste plus qu'une seule personne, les gars. Je suis en finale. Vais-je réussir à remporter la victoire dans cette vidéo dès cette première game, les gars? Ça serait juste vraiment incroyable, les gars. J'espère en tout cas, je vais gérer la situation. Est-ce qu'il y a moyen d'aller au-dessus de la montagne? Je ne pense pas, là, j'ai pas l'impression. Oh, le mec est juste là. J'ai pas dégâts de chute, heureusement. Attends, j'ai paniqué, il faut juste que je cours me cacher juste ici. C'est vraiment différent, hein, comme sensation de gameplay là, honnêtement parlant. On a en face de nous la dernière personne à éliminer. Vais-je réussir à gérer la situation? Oh là là, le mec, il a la hauteur sur moi. Je suis pas dans une bonne posture en vérité là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre la grenade juste ici, je vais prendre la hauteur juste là. Oh non, me touche pas. Ok, nice, c'est bon, il m'a pas touché. Par contre, j'ai pris quelques dégâts de chute, mais c'est pas grave. Au moins, maintenant, je pense que j'ai la même hauteur que lui. Oh non, mais frérot, il arrive à me toucher. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, frérot? En même temps, il a l'arme de Sloan, elle est trop cheatée. C'est une arme mythique, frérot. Vous savez quoi, les gars? Je vais descendre juste ici un tout petit peu. Voyons voir ce que nous avons ici. Ok, on a un kit de soins. Je vais pourquoi pas me le récupérer, les gars. Il y a la zone qui est en train de me push. Oh là là, j'espère que je vais gérer la situation là. Là, je suis en panique. J'ai pas intérêt à faire un top 2 dès ma première game, les gars, honnêtement. Ok, nice. Ok. Allez, il faut pas que je rate mes balles, il faut pas que je rate mes balles, frérot. Pourquoi je rate mes balles? Oh non, j'ai Ayak, j'ai raté quasi toutes mes balles, les gars. C'est pas grave, on est parti pour directement se diriger vers la zone, les gars. Hop là, c'est parti. Le sprint tactique qui va nous aider fortement, bien évidemment. Est-ce que je vais réussir à monter la colline? Par contre, ça, c'est la question que je me pose. Oh, mais non, j'ai pas de construction, comment je vais faire? Le mec va avoir la hauteur sur moi. Oh là là, c'est très très mauvais là, par contre. Hein. Là, par contre, je ne suis pas dans la meilleure des postures, les gars. Je pense que le gars doit avoir la hauteur sur moi. Ah ouais, effectivement parlant, le gars. À la hauteur sur moi, frérot. Attends, on est... Attends, reviens ici. Non, il a un HP. Oh non, j'allais l'éliminer. Le top 2 qui fait trop mal au cœur, les gars. C'est pas grave, en tout cas. J'ai passé un énorme moment en votre compagnie, les gars. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo. Juste là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pour un pas, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss.